Salut tout le monde, j'espère que vous passez un joyeux temps des fêtes. Eh bien, aujourd'hui, 9-1 Québec, on patrouille le secteur de la Sûreté du Québec avec cette belle neige-là qui tombe, ça devrait être assez intéressant. Donc, bonne patrouille parmi nous. Police secteur autoroutier. On vous écoute. Le 6, on vous envoie pour un triple 4, 15.47, direction nord. Un individu se serait endormi au volant dans la voie de droite. Capteur, on est descendu. Le 95, pour le dernier appel, avez-vous une description du véhicule? Là, je suis en direction également. Affirmatif, monsieur. On parlerait ici d'une camionnette de couleur noire. Trop des gros prix. Ouais, des motos dans la neige. Pas winner. C'est un secteur Rondon. 105 disponible. Alors, on vous envoie pour un 905 SU au 2040 Grape Street, du détail dans la carte. 10-4, on va être 10-11. 4-6, Georges, je suis à l'écoute. 1546, puis c'était l'allô. Capté, je suis toujours en direction, moi. Ouais, il y a un 10-90 en chemin. Entre 81 ou 95? À l'écoute. 95, as-tu besoin que je remonte? Moi, je suis au 15.20.30. Ben écoute, Georges va le refaire à partir du sud. Là. Moi, je suis allé jusqu'à quasiment Saint-Sauveur puis j'ai rien localisé. Fait que, User joined your channel. Capté. On va aller voir qu'est-ce que ça a l'air, le 905 blessé, le 905 suspect. J'ai deux véhicules qui sont en direction. On va aller voir. T'as de la misère à parler, t'es chancelant. Ok, fais face au véhicule, s'il te plaît. Très loin dans le véhicule, il y a plein de beurre partout. J'entends un 6, c'est sûr. Comment t'as dit ça, Alexis?
Ouais, j'ai checké dans le char, là, il y a plein de bières partout. Ouais, on a tout aller-retour, là, jusqu'à Saint-Sauve, on n'a pas vu de véhicule, fait que je pense qu'on va prendre ça. Non, c'est pas nécessaire. Non, là, écoute, c'est nécessaire, là, t'es en état d'arrestation pour capacité affaiblie par l'alcool, ok? T'as causé un accident en plus, heureusement, c'est juste ton véhicule. Fait que là, t'es en droit de savoir que t'as le droit de garder silence. Tout ce que tu vas dire pourra être retenu contre toi pour les chefs d'accusation que je t'ai mentionnés. T'as le droit aussi au recours d'un avocat immédiatement. Si t'as pas les moyens, on va t'en fournir un gratuitement. Ok? Est-ce que tu comprends pourquoi je viens de t'arrêter? C'est bon. Je vais te faire souffler juste au pas. J'ai pas besoin de te faire souffler tout ça pour savoir que t'es en capacité affaiblie par l'alcool, mon homme. Non, viens-t'en. Ouais, ça a sonné. Gars, là, je vais te mettre dans le char. Je vais te soigner avec ma trousse de premier soin, ok? Puis ton partner. Parfait. Là, mets-toi face au véhicule. T'as-tu quelque chose sur toi qui pourrait te blesser? Non, juste mes clés de maison. C'est bon. Oui, t'as-tu besoin de quoi? Une maison, ok. Non, ça va être beau, lui, ça va être une capote pour alcool, puis on va contrôler son identité, puis tout, ça va être beau. Okay. Juste une remorque pour le char. Ben, je pense qu'Alexis va s'en occuper, là. Ouais, on va s'en occuper, pas de trouble. Ok. C'est beau. Il y a de la bière partout dans le véhicule, sans côté. On va checker le coffre. Bon ben Alexis, moi, Dwayne n'a déjà pas besoin de moi, puis tu vas t'occuper de la remorque, fait que je vais retourner sa la patrouille. Ouais, c'est bon Alain. Thank you. Yeah, salut. Les gars, on se sous contrôle. Fait qu'évidemment, ben. C'est un 905. Allez, gars. Ouais, ben un véhicule. L'individu est en capacité affaiblie avancée. Puis il y a plein de bières. Bon, monsieur, pour le 2040. Bon, il va aller faire un petit tour. À livrer à sa mère. Park est là. 5 minutes et on va regarder notre ordinateur qu'on n'a pas dans ce champ là. Pendant ce temps là, moi je vais regarder les appels. Tantôt, on était presque à Saint-Sauveur. On va aller faire un petit tour. Ça donne. Dans le village. Faire une petite visite. Dépanneur qu'on vient de voir, c'est très beau. Je vais faire un 222 au 1000 Signora Freeway. Visite intérieure. Bonjour, bonjour. C'est la police? Ça va bien? Hello, y a-t-il quelqu'un? Pas de Red Bull. Juste la bière ici.
fin de délai. Je l'arrange. Yo go. Non, il n'y a pas de Red Bull. Il y a juste de la slush. De toute façon, c'est pas de code. Bon. C'est beau. Évidemment, nos membres civils ne peuvent pas être partout. Je vais être dans la municipalité de Saint-Sauveur, donc si jamais vous avez des appels, je suis disponible. Bon. Je vais venir ici, deux secondes. Alors, pour ceux qui se demandent, c'est quoi qu'on a en avant des gyrophares, c'est des lecteurs de plaques informatisées, ça s'appelle des SRPI, système de reconnaissance de plaques informatisées. Ce que ça fait, c'est que ça lit les plaques, et puis ça dit s'il y a des anomalies, là, si c'est un char volé, si les plaques sont impayées, ou comme conduit, tout ce qui est relié au véhicule via la SAC, ça nous pop dans l'ordinateur. Comme quoi qu'il y a des anomalies. Ça évite de les rentrer ça à mi-temps. Et on a notre fameux bord de danseuse, le N-House, ben des motards qui fréquentent cet établissement-là. Y a-t-il un véhicule qui est pas loin de Saint-Sauveur? 75, ben, je suis à Joliette, mais je peux me rendre. Ok, je voudrais faire une visite intérieure là, au club de danseuses de Hen House. On va aller vérifier son permis. Là. Pas mal de musique qui joue, fait que si tu peux t'approcher. Capté, je m'en viens. Je vais demander un autre véhicule. On va aller vérifier le permis d'alcool s'il est en règle. Allez. Monsieur, je vais avoir besoin d'un 17 le 32 Calafia Road. Bon, je vais juste aller vérifier son permis d'alcool parce qu'il a été suspendu le mois passé, là, mais je pense qu'il l'a repris. Fait que juste vérifier si c'est beau puis voir quel genre de clientèle il y a à l'intérieur. C'est bon, pas de trouble. On va aller voir des tipis en même temps. Yes. Ton partner, il peut-tu vérifier les toilettes? Oh ouais, pas de Chris. Tu m'as checké les toilettes? Je vais descendre, je checkerai les vestiaires au pire. Ok. Sois pareil, prudent, il y a tout le temps des bikers, ça. 146, mon CGE. Ah! Je pas là. Bonjour, messieurs! Bonjour! Possible, ah bien monsieur, profitez de la soirée. Qu'est-ce qu'on peut vous offrir? C'est le bras de la maison? Non, c'est pas vrai. Juste les pinottes qui sont gratuits. On va vérifier le permis. C'est bon, ils ont plus de tapis roulants ici que dans notre gym. What? Yeah. Oh, ok. C'est pour ça que c'est écrit en haut de la... Okay.
On a une pièce en bas avec un litre écrit Dance and More. Ah ouais? Ouais, c'est un private room. Ça doit être une place où les gens du port de Québec là, ils viennent se prélasser. Pas mal ce que je me disais en même temps. Ton permis est bon, Dwayne? C'est bon. Ah, il y a plus de tapis roulants en bas que dans notre gym à... au poste. Ah, j'ai pas vu ça, on va aller voir ça. Ouais, check, viens voir. Tourne à gauche. Voilà, on va voir la pancarte en sortant des toilettes, tu vas rire. Ah, tu vois le lit. Ouais. Yep. Ah, ouais. Toutes les bikers, ils viennent toutes les bikers, ils viennent ici de s'entraîner. C'est sûr. Clairement, c'est sûr. Puis l'autre bord, chose, ouais. Ouais, puis l'autre bord, c'est sûr que. Dwayne, viens ici. J'aimerais ça voir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte là, mais pas de mandat. Ah, do not throw. Ouais, c'est ça. Ça doit être assez important. Ah, Seigneur. Bon, ouais, on devrait avoir cleané un peu la place, le permis est en règle. Oh, clairement. C'est propre en plus, et ils ont bien fait ça. Pas un deuxième ici, toi? Non. Bon, ben, salut, soirée, messieurs. Amusez-vous. Bonne soirée, profitez de. Ouais. Juge pas. Il n'y a pas de belle atypée d'Atacha, là, mais qu'elle vient, là, tantôt, là. Ça juge pas. Non, non, ouais, c'est. C'est I'm too gay for the shit. Ouais. En bon. Sortant des toilettes, c'est écrit ça, mon Alain. J'ai pas vu. Ouais, c'est écrit I'm too gay for this shit. Alright, les boys. N'importe quoi. Je vais faire mon rapport à Rakji, là, pis tout est conforme. Super, on s'en jase plus tard. Merci. Salut, big. Donc on se remet disponible. Et puis, une autre patrouille nous attend. J'aurais besoin d'un 17 au 34 Nilin Avenue. Bonjour monsieur, DV maintenant direction. DVA pour une Prio 1, secteur Joliette, centre-ville. 71-2 à l'écoute. Vous avez demandé en a des coups de feu au 30-22 Marina. Plusieurs appels en cours, 3 coups de feu. 30-22 Marina Drive. 14 direction. 34-1 coop. 85, là, je suis sur place à l'instant, je vais faire le tour, voir ce qu'il y en a. Bon, on va s'approcher sur cet appel-là. Déjà, pouvez-vous répéter l'adresse? 85, là, j'ai un VUS vert qui prend la fuite, là, sur Marinara Drive, direction ouest. Tu me diras si t'es en poursuite, je vais prendre charge. Okay, le charger prend le char vert, il y a des hommes qui s'enfuient à pied en arrière là. Ok, véhicule prend la fuite. Demande la priorité des zones pour 01-02. Un véhicule Jeep de couleur vert, on va être sur Marina Drive. On tourne direction est sur Mountain View Drive au 39. Véhicule qui est dito sur l'appel, y a-tu des blessés? Oh? On est à votre gauche.
Vous en avez un 02, c'est juste. On va avoir un système automatisé derrière la motel 135. Ça va me prendre une US d'ici là, 30-22, j'ai un autre derrière la main. Putain, t'es-tu à l'écoute là? Ouais, à l'écoute. Ok, je veux savoir si t'étais correct. Moi je suis correct, là, je suis 35, j'ai un individu menotté maîtrisé pour pouvoir aller éclairer la scène originale là, 30-22. Ok, je me dirige 30-22. Max, t'avais besoin de backup ici? Une ambulance là, derrière l'adresse 30-22, l'adresse initiale, il y a un autre choix. Ok, les boys, on va vous faire un périmètre en arrière de ça, une scène de crime. Ouais. US 71-31-12, c'est lieu. Capté. Messieurs, on a un homme blessé par balle à l'arrière de l'adresse. Il était conscient. Par balle? Okay. Oui. Ça donne quoi ton suspect? C'est un arme à feu? Un négatif, là, il n'y avait rien sur lui, j'ai été le porter au poste, les enquêteurs vont prendre le relais. Il a dit qu'il avait peut-être droppé du stock dans sa fuite. Ouais, je vais faire le tour, là. Je vais faire ce qu'il a fait à pied. Oublie pas, on a le chien là, qui est disponible. Ah ouais, c'est vrai, 85 au CGA. Allez, hey, go! Monsieur, on a-tu une unité canine de disponible? Captain, on va la prendre le 30-22. Captain, il y a un délai d'environ 10 minutes. Fait que Justin, j'ai fait faire la scène là, par Dwayne et son partner. Fait qu'on va garder ça fermé. Good. Moi, je vais appeler les enquêteurs. Moi, je suis plutôt du. J'essaie de retrouver l'arme de crime, là. Faire le chemin qu'il a fait, là. Ah, oh, c'est bon, je vais repasser à pied, là, vite vite en attendant le chien. C'est bon. Ben, t'es mieux pas, parce que tu peux contaminer à 5, puis tu le fais, là. Ben, pour vos impôts, par Olivier. On va aller laver nos mains, on est plein de sang. Ouais, pas de trouble. Ouais, t'es mieux pas le faire. C'est vrai que dis de même, t'as raison, Alain. Je vais attendre le chien. Tu vas avoir une unité, un autre char pour qu'il suive le maître chien. Ouais, c'est bon. Je vais... On va voir qui on a disponible. Tiens, prends-en toi aussi. Fait que moi je vais gérer la scène ici, puis toi je gère le suspect avec le maître chien là. C'est good. Puis j'appelle les enquêteurs. Parfait. 85 ou 61-2. 02 à l'écoute. Ouais, ça donne quoi là de ton bord avec le char? Ah. L'individu qui était dans le véhicule. Il a été arrêté. Vous tenez un état de santé du gars? Vous me tenez, monsieur? Ouais, on s'en sort. Ok. Merci. Ouais, t'as froid. Bonjour! C'est le lieutenant Chiasson, poste de Joliette. On aura besoin des enquêteurs des crimes majeurs. On a eu un appel au 30-32 pour des coups de feu. Arrivé sur les lieux, il y avait un homme étendu au sol qui a été blessé par balle. Un véhicule qui a pris la fuite, qui a été rapidement maîtrisé par des patrouilleurs. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'armes, mais l'homme est conduit au poste là, pour enquête. Puis ça nous prendrait des enquêteurs qui viennent sur les lieux pour la scène. On a vu la scène, on a le blessé qui est conscient, mais blessé gravement. Il se dirige au CH de Lyotte. D'accord, c'est bon, j'attends votre appel. Ok, le 75 vient d'arriver, 10-10 Max. 10-10 Dwayne. 10-4, je vais en partir du 0-5 dans ce cas-là.
85 aux unités là, qui n'ont pas d'affectation spéciale sur l'appel au 3022, vous allez pouvoir retourner de 05. Vous avez du courrier. Ouais, négatif, là, le chien vient de retrouver le, un Glock 9 mm là, avec un sac de poudre. Ah! Oh, trop facile. Bravo! Trop facile, trop facile. Bon, c'est bon. Yes, c'est good. On repart ça. Bon, ben, on va attendre les enquêteurs, si tu veux. 5 minutes le délai, je trouve. Ouais, pas grand chose d'autre à faire qu'attendre les enquêteurs à ce bout de type. Je reviens, je vais aller dans mon char 2 secondes. Ouais, c'est bon. C'est J qui vient d'arriver. Bonjour, bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Denis Lavoie, enquête judiciaire. D'accord. Tu sais, les enquêteurs viennent, ils sont là, ils font le tour, là. Fait que. J'avais juste à leur demander c'est quoi les photos qu'ils veulent que vous preniez. Pas trop. Merci. Peux-tu avoir un peu d'informations qu'est-ce qui est arrivé ou de quoi avant que j'arrive sans fin? Ouais, dans le fond, là, on a eu un appel pour des coups de feu. Quand on est arrivé sur place, on avait un individu qui prenait la fuite en véhicule, puis un autre à pied. Puis il y avait un homme à terre blessé par balle. Ok. Bon. La victime est encore vivant, le suspect est arrêté. Ok. À quel hôpital que t'as envoyé? Je crois bien que c'est Joliette. Max, la victime, c'est à Joliette que t'as emmené? Ok, Joliette. Ok. Merci, monsieur. Merci, lieutenant. Monsieur les enquêteurs, vous allez pouvoir me faire parvenir les photos à mon bureau, ouais? Si ouais, il y a aucun problème. Les photos de la scène de ce côté-là, donc ça semble être devant une tentative de meurtre vis-à-vis des gangs rivaux. Okay. Donc les individus sont bien connus des lieux policiers également. Mm-hmm. Ouais, ok. Bon, okay. Avez-vous d'autres points à rejeter, lieutenant? Non, c'est beau. Tant que tous les éléments de preuve ont été recueillis, là, on pourra lever la scène, là, où vous allez terminer. Ok, faites okay. Honnêtement, écoute, Fred, va chercher un détecteur de métal dans le camion, voir s'il n'y aura pas d'autres douilles au sol, de quoi cacher dans la neige, là. On en répète un petit peu, ok? Il y a un couteau ou de quoi qui traîne dans trop de neige, on ne voit pas. Je vous remercie, lieutenant. On va prendre la relève. Ok, c'est beau. Justin, dernière chose, je m'occupe d'aviser les relations médias, là. C'est capté, merci. Ouais, salut Raphaël, c'est Alain du 6595. Donner un topo de la situation là, au 3022, le 409. Écoute, ça a tout l'air d'un règlement de compte pour dette de drogue. Il y a eu un appel de coupe-feu. Les policiers sont arrivés sur les lieux. J'ai juste d'entendre une explosion dans ils ont. Deux secondes. Je l'ai entendu de notre côté aussi. Sur le 15, là, je suis à la chute, j'ai entendu. Ouais, ok, écoute, c'est parce qu'il y a eu un genre de bruit d'explosion.
C'est ça, il y a un appel de feu à l'arrière du 30-22. Les policiers sont arrivés chez lui. Il y a un véhicule qui a pris la fuite. Il y a un autre individu à pied qui a été rattrapé. Il y avait un individu au sol à l'arrière qui était criblé de balles. Ben, criblé, il y avait trois projectiles. Il était conscient. Il était transporté à l'hôpital de Joliette. On craint pas pour sa vie, mais il est blessé grave. Puis, le suspect était dans le véhicule, il était maîtrisé, puis arrêté. On le fait venir le mettre chien, puis on a trouvé un gun, un 9 mm, là, pas loin de la salle. Fait que ça va être l'événement 10 en date d'aujourd'hui. Fait que si tu veux aviser tes médias, là. Alright. Ciao, mec. 10-4, on est. Affirmatif, monsieur, on a un délai d'environ 5 minutes. Capté. On va aller voir ça, cette explosion-là, la station service. Comme direction nord aussi. Standby, je vais voir ça. On va déporter le trafic là, sur le petit chemin de terre à côté du Home Depot qui s'en va à Smoke Tree Road.